de retour sur Bordeaux TV pour cette émission gastronomique où vraiment on va parler de bons produits. Je suis avec Benjamin Tourcel de l'Auberge du Prieuré. Bonjour Benjamin. Bonsoir. Comment Bonsoir. Ça va? Très bien, très bien. Alors, l'Auberge du Prieuré, c'est une auberge étoilée et c'est à quel endroit? À Moirax, pile poil entre Bordeaux et Toulouse. Qui est le 47. Une heure de route, voilà, le 47, ouais, Lot-et-Garonne. Tu es un habitué. Ça fait quoi? 6 ans les épicuriales maintenant? 6 ans, voilà. Donc ça fait 5 fois que je viens, donc je suis quasiment le... Tu es un vieux routier aussi. Voilà, je suis un vieux de la vieille. Alors, je voulais te parler d'Anaël. Enfin, je voulais plus précisément que tu nous parles d'Anaël, parce que tu as participé à un livre. Ouais, c'est en cours, en fait. Anaël, c'est un petit garçon qui a un gros souci de santé. On s'est réunis quelques chefs Lot-et-Garonnais. On a fait en décembre, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, un repas pour récolter des fonds, parce que c'est très dur pour ses parents de justement les soins sont c'est très lourd en termes de finances. Donc on s'est réunis en quatre chefs et on a fait un repas pour Anaël. Et du coup on s'est dit pourquoi pas continuer, parce que c'est une belle aventure. On a beaucoup sympathisé aussi avec ses parents et tout ça. Et puis c'est surtout un beau geste et c'est surtout un vrai moment de plaisir à partager. Et vous donnez, j'ai vu, une recette pour chaque saison en fait. En fait, chaque chef c'est une saison et on va donner 4 ou 5 recettes. Voilà. Alors donc, c'est un livre. C'est un livre qui sera en librairie. Donc c'est un livre... qui va être destiné quand même à, ça va être des recettes de ménagères, qui va être destiné à des ménagères, donc très accessible, pas très cher non plus, donc voilà, ça reste un livre accessible. Tu connais le nom du livre ? Non, pas encore. Les 4 saisons d'Anaël, à mon avis, ça va être ça. Les 4 saisons d'Anaël, vous ferez une bonne action et en plus vous allez vous régaler. Ça sera un joli cadeau de Noël. Exactement. Voilà. Et nous, on est très touchés par ce genre de maladie, voilà. Et bravo et bon courage à toi, petit bout de chou. Merci. Qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir ? Eh ben, ce soir, alors, c'est donc 3 plats. Le premier plat, c'est du Saint-Pierre mariné aux agrumes avec menthe, petit pois et framboise. En deuxième, ça va être une poulette finie nourrie au lait, servie avec... elle est laquée au maïs, en fait. Une poulette nourrie au lait. Elle est finie au lait, en fait, les 15 ou 3 semaines, les 15 jours ou 3 semaines avant de l'abattre. Elle est finie au lait, ce qui lui confère une texture particulière très, très tendre. Donc elle va être laquée au maïs, pour rester dans le contexte de la volaille. Laquée au maïs, une petite salade de courgettes crues avec de la verveine et du basilic et du pamplemousse. Voilà. Et en dessert, on va partir sur du fromage frais, fenouil, laquage au citron et aneth. Voilà. Ma foi, plein de fraîcheur. Ça, oui, c'est de saison. De toute façon, en plus, le soleil est avec nous. Écoute, nous, on a vraiment hâte. Alors, retenez bien le plat que nous a dit Benjamin, qui va nous préparer tout à l'heure. Écoute, Benjamin, je te remercie. Merci à vous. On embrasse. C'est un grand plaisir, Agathe, une fois de plus. Parce que je sais qu'elle est là tout à l'heure, mais ça y est, Agathe, elle n'est pas très caméra. Elle est partie faire du shopping, comme d'habitude. Voilà. Merci à tout à l'heure. Merci.